2020, quelle année particulière, dure aussi, et certainement la pire année pour énormément de personnes. Personnellement, à la fin de cette année, je me sens plutôt chanceuse. La maladie n'a pas touché ma famille et j'ai plutôt bien vécu les situations de confinement. J'en ai profité notamment pour écrire mon premier roman et aussi pour me reconcentrer sur ma chaîne YouTube et j'en suis super reconnaissante. Mais aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de vous réciter un texte pour dire à quel point 2020 était quand même une année super enrichissante et qu'on devrait quand même être satisfait de cette année. Non. On a clairement le droit de dire que 2020, c'était une année de merde, qu'on l'a super mal vécue, qu'elle a donné des troubles dépressifs, voire pire, à certaines personnes. Si je suis là, c'est pour vous dire que c'est vraiment génial et que je suis super heureuse pour vous si cette année a été au final bénéfique pour vous aussi et qu'elle vous a permis de développer des projets, etc. Mais je suis aussi là pour vous dire que vous n'avez pas à culpabiliser de n'avoir rien fait cette année, d'avoir l'impression d'avoir perdu une année entière de votre vie et de vous sentir nul face à tous ces posts Instagram de gens qui disent que 2020 a été super pour eux. Parce que non, clairement, cette année a été dure. Alors si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez réussi à la traverser, c'est déjà énorme et je suis vraiment fière de vous et vous devriez l'être aussi. Alors à la fin de 2020, vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de vous sentir fatigué, vous avez le droit de dire que la vie d'avant vous manque. Mais à présent, il est temps de dire adieu à 2020. Il est temps de laisser les difficultés derrière nous et de nous préparer à une année bien meilleure. Parce que croyez-moi, 2021 sera bien meilleur. En 2021, vous arriverez à vous recentrer sur vous-même, vous vous découvrirez des capacités dont vous ne soupçonniez pas l'existence et vous accueillerez de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. En 2021, le monde guérira peu à peu et vous avec. Croyez-y. Donc, adieu à 2020.